La Réforme, la guerre de 30 ans, première partie. La guerre de 30 ans est un conflit qui dure de 1618 à 1648. Tout débute dans le Saint-Empire, où les tensions entre catholiques et protestants s'aggravent. La défenestration de Prague sera le déclencheur de ce long et meurtrier conflit. Quelle est la situation politique en 1618 ? Au XVIIe siècle, les querelles religieuses et surtout les luttes entre les dynasties, c'est-à-dire les grandes familles qui dominent le continent, ont provoqué de très nombreuses guerres. L'Europe ne connaît que 4 années de paix au XVIIe siècle. La guerre, quasi permanente, affecte la société et transforme les relations entre les États. La guerre de 30 ans se déroule de 1618 à 1648. Elle débute à Prague par une querelle entre protestants et catholiques. Elle implique ensuite la plupart des puissances européennes, opposant d'un côté le camp de l'empereur catholique du Saint-Empire et de l'Espagne, soutenu par le pape, et de l'autre côté le camp des États allemands protestants, de la Suède, des Provinces-Unies et, à partir de 1635, de la France catholique. Qui sont les Habsbourg ? C'est une puissante famille qui fournira de nombreux souverains à l'Europe. Elle tire son nom d'un petit château construit dans les années 1000, situé en Argovie, en Suisse. Vers 1270, Rodolphe Ier de Habsbourg devient empereur du Saint-Empire romain germanique, on peut simplement dire Saint-Empire. Les Habsbourg se déplacent du côté de l'Autriche, d'où ils étendront leurs terres. Au XVIIe siècle, la famille s'est divisée en deux branches. En résumé, l'une domine le Saint-Empire, tandis que l'autre rayonne sur l'Espagne et ses colonies, le sud de l'Italie ou encore les Pays-Bas. Lorsque la guerre de 30 ans éclate, Matthias de Habsbourg est empereur. Il prépare sa succession en faveur de son cousin, Ferdinand, un catholique fervent, en lui transmettant le royaume de Bohême. Mais c'est un territoire où les protestants sont plus nombreux et où des incidents ont déjà opposé catholiques et réformés. Que se passe-t-il à Prague en 1618 ? Une défenestration. C'est-à-dire que des gens sont jetés par une fenêtre. Les tensions entre catholiques et protestants en Bohême, aujourd'hui la République tchèque, dont Prague est la capitale, se sont accentuées, notamment après la destruction de temples protestants. Des manifestations éclatent à Prague et des protestants se rendent au château pour se plaindre auprès des gouverneurs qui y représentent l'empereur. La réunion se déroule mal puisque les deux gouverneurs sont jetés par la fenêtre. Un tas de fumier amortira leur chute et ils pourront finalement s'enfuir. Pour l'anecdote, une première défenestration avait eu lieu en 1419, à l'issue fatale puisque 7 représentants catholiques y perdirent la vie. Cette première défenestration de Prague s'inscrit dans le conflit entre catholiques et hussites, les partisans de Jean Hus, un religieux critiquant l'Église catholique et qui fut brûlé comme hérétique. Il est aujourd'hui une figure importante de l'identité tchèque. Qu'est-ce que la Montagne Blanche ? Le nom d'une bataille en 1620. Quand l'empereur Matthias de Habsbourg meurt en 1619, son cousin, Ferdinand II, le remplace à la tête de l'Empire. Mais en Bohême, on refuse son autorité et on a élu roi Frédéric V, lequel soulève les protestants contre l'empereur. Pour retrouver son autorité, celui-ci crée une coalition, la Ligue catholique. La bataille décisive est celle de la Montagne Blanche, Bílá Hora en tchèque. Les catholiques remportent une victoire écrasante. La Bohême devient une possession personnelle des Habsbourg et Ferdinand fait décapiter publiquement à Prague 27 des principaux chefs protestants. Une féroce répression qui suscitera bientôt l'intervention de puissances protestantes étrangères. Comment fait-on la guerre à l'époque ? Au XVIIe siècle, et surtout avec la longue et meurtrière guerre de 30 ans, la manière de faire la guerre a été complètement bouleversée. Pour faire face aux nouveaux canons plus puissants, les anciennes murailles médiévales ont été remplacées par des fortifications plus basses, plus épaisses et de forme géométrique entourant les villes-forteresses. L'usage des armes à feu s'est généralisé, la durée des combats s'est étendue et les armées ont recruté des soldats dans les villes et dans les campagnes. Les armées en présence étaient avant tout des armées de mercenaires, levées par des chefs de guerre qui assuraient l'enrôlement, l'armement et le ravitaillement des troupes. Les mercenaires ont souvent triste réputation. Les paysans subissaient sans défense les exactions de tout genre, enlèvement des récoltes et des bestiaux, violences, massacres, pendaisons ou viols.
Pour détourner les armées de leur territoire, les grandes villes marchandes versaient de lourds paiements, mais elles n'évitaient pas toujours le saccage. Dans la campagne, les châteaux et les monastères étaient livrés au pillage. Qui sont les mousquetaires? Les fantassins qui manient un mousquet, l'ancêtre du fusil. Ce sont des soldats importants dans les armées du XVIIe siècle. Le mousquet est appuyé sur une fourche de fer pour y poser le canon qui est long et lourd. Il faut aussi avoir une main de libre pour se saisir de la cartouche de papier contenant la poudre et la balle, l'arracher avec les dents. Avoir une mauvaise dentition pouvait empêcher d'être mousquetaire. Remplir le canon, bourrer le contenu à l'aide d'une longue baguette, fixer la mèche déjà allumée, se positionner et enflammer le tout en faisant basculer la mèche. C'est un processus qui est long. Il faut donc de nombreux rangs de mousquetaires pour assurer un feu nourri contre l'adversaire. Notamment la cavalerie qui est un grand danger pour les mousquetaires. Les armes et la tactique militaire évoluèrent durant les 30 années de guerre que dura le conflit. En résumé, la guerre de 30 ans se déroule de 1618 à 1648, principalement dans le Saint-Empire. La famille des Habsbourg, originaire de Suisse mais par la suite installée en Autriche, domine une partie de l'Europe. En 1618, c'est la défenestration de Prague. Des représentants catholiques de l'empereur sont jetés par une fenêtre. En 1620, la bataille de la Montagne Blanche est l'écrasante victoire catholique contre les protestants de Bohême. Les troupes sont principalement composées de mercenaires à la très mauvaise réputation. Les mousquetaires sont les fantassins qui manient le mousquet, l'ancêtre du fusil.